Une femme sur 8 est victime de violences sexuelles. Une fille sur 8. Une fille sur 8, hein, c'est pour les mineurs. Non, dans l'ensemble, alors c'est vrai qu'on sépare le viol des agressions sexuelles, mais pour les viols et tentatives de viol, on dit qu'il y a 16% des femmes qui vont avoir vécu un viol ou une tentative de viol dans leur vie, dont 60% en tant que mineurs. Donc la majorité c'est en tant que mineurs. Et pour les hommes, c'est 5% d'hommes qui vont avoir vécu un viol ou une tentative de viol, donc plus de 70% mineurs. 2/3 des victimes des viols ont moins de 18 ans, c'est vrai? Oui. Oui, oui. Et 45% ont moins de 9 ans. Donc là, c'est quoi? Là, on tombe dans la pédophilie? Oui. Oui. La pédocriminalité. Alors, est-ce qu'il faut parler avant du mécanisme de dissociation et de la mémoire traumatique, ou vous voulez qu'on parle directement des conséquences et qu'on en vienne après à la mémoire? Peut-être qu'on va aborder avant les mécanismes, parce qu'une fois qu'on connaît les mécanismes, toutes les conséquences deviennent extrêmement logiques et compréhensibles. Alors juste un tout petit rappel, les troubles psychotraumatiques, ils ont été vraiment plus particulièrement définis depuis les années 80 avec l'état de stress post-traumatique, avec le DSM-4. Et là, actuellement, on va rajouter à cette définition de l'état de stress post-traumatique les troubles dissociatifs qu'on va aborder. Donc, les mécanismes, ce sont des mécanismes en fait de défense neurobiologique et psychologique qui se mettent en place au moment du trauma. C'est des mécanismes qui sont disons normaux et qui peuvent arriver à toute personne. C'est-à-dire que c'est pas lié à la victime, c'est lié à la violence et à l'intention de l'agresseur aussi. C'est-à-dire qu'une violence, vraiment le côté intentionnel va entraîner beaucoup plus de troubles parce que va beaucoup plus toucher en fait la victime. Alors ça c'est important parce que pendant longtemps on a plutôt mis le focus sur la victime pour se dire que c'était elle qui était plus particulièrement fragile, c'est pour ça qu'elle développait des troubles, alors que non, il faut mettre le focus sur la violence et sur l'agresseur parce que c'est son mode opératoire, c'est les violences qu'il exerce qui vont avoir un impact grave sur la victime. Alors voilà, vous dites d'ailleurs hein, que il y a des choses effectivement, des mécanismes psychiques qui se mettent en place pour échapper au risque vital généré par le stress d'une telle agression. Voilà, donc on se retrouve en fait, on se retrouve face à un stress. Habituellement, quand on est face à un stress, on a des réactions émotionnelles. On a une petite structure dans le cerveau qui s'appelle l'amygdale cérébrale, qui est vraiment au cœur de tout ce qui est réponse au stress et réponse émotionnelle. Et cette amygdale cérébrale va s'allumer en quelque sorte et produire des hormones de stress pour pouvoir répondre à un danger. Alors c'est l'adrénaline, le cortisol, pour pouvoir agir. Et ça se fait automatiquement et immédiatement. Et dans un deuxième temps, le cortex va analyser la situation, trouver des solutions, comprendre un peu ce qui se passe. Et cette capacité d'analyse du cortex va permettre de moduler la réponse au stress. C'est-à-dire que l'amygdale cérébrale, c'est une alarme qui s'allume, mais qui ne s'éteint pas toute seule, au danger, et le cortex frontal particulièrement va moduler cette alarme, voire l'éteindre en fonction de l'analyse et des réponses qu'il va donner. Donc ça c'est ce qui se passe normalement. Or là, dans le cadre de violence, où vous êtes face à une situation où quelqu'un veut vous détruire, face à une situation où vous êtes impuissant, vous êtes séquestré, vous êtes bloqué, vous êtes face à une situation extrême, vous êtes menacé, à ce moment-là, vous n'avez pas du tout de possibilité en fait de trouver des réponses immédiates. Vous êtes dans une situation complètement anormale. Il n'y a pas d'impasse. C'est une impasse. On ne peut pas s'en sortir. C'est une impasse. Et c'est une impasse au niveau du sens aussi. C'est une impasse au niveau des possibilités, au niveau du sens. Et à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle une sidération psychologique. C'est-à-dire que vraiment le cortex est paralysé. D'ailleurs, ça se voit sur les IRM. On voit que le cortex ne répond plus. C'est-à-dire, il est paralysé. Et du coup, il va pas pouvoir moduler la réponse émotionnelle. Donc, l'amygdale cérébrale va continuer comme une alarme à hurler. Et, en quelque sorte, et à produire des grandes quantités d'adrénaline et cortisol. Or, l'adrénaline et cortisol, ce sont des hormones qui sont très, très utiles parce que c'est ce qui permet effectivement de préparer l'organisme en augmentant, la contraction, la contractilité du myocarde.
myocarde en augmentant l'apport d'oxygène. Donc ça permet et puis de glucose dans le sang. Ça permet en fait à l'organisme de pouvoir faire des efforts énormes parce que il y a du carburant qui arrive en quelque sorte. Mais là, on se retrouve avec des quantités d'adrénaline et de cortisol qui elles-mêmes vont représenter un risque vital. Adrénaline, risque vital au niveau cardiovasculaire, on pourrait mourir de stress, faire un infarctus du myocarde, et puis au niveau neurologique, le cortisol, qui en fait a un effet neurotoxique important. Donc il peut entraîner des morts neuronales, et puis il a un impact catastrophique aussi au niveau dendritique, au niveau donc, du fonctionnement neuronal. Et on peut donc là aussi, du côté neurologique, faire une perte de connaissance, des équivalents épileptiques, et il peut y avoir jusqu'à un pourcentage parfois assez important de neurones qui vont en fait être détruits. Et c'est pour ça, devant en fait tout ce risque vital, l'organisme a en fait un joker qui sort et il va, comme dans un circuit électrique qui est en survoltage, il va disjoncter. Donc il va en fait isoler l'amygdale cérébrale, ce qui fait qu'elle ne pourra plus commander la sécrétion d'adrénaline et de cortisol au niveau des surrénales. Alors, c'est ce que vous aviez dit dans la précédente émission. En fait, la victime va avoir un sentiment d'irréalité, c'est ça ? Voilà, l'indifférence. Parce que, en fait, la victime, elle est en face de quelqu'un qui veut la tuer, enfin, et qui veut la détruire, et puis elle a l'impression que le stress va la tuer aussi. Et elle n'a pas tort. Et d'un seul coup, c'est un petit peu comme si elle était déjà morte. En fait, d'un seul coup, ça disjoncte, ça se déconnecte, et elle a un sentiment total d'irréalité. Pourquoi ? Parce que je veux dire que quand vous voyez un événement qui est atroce, et que vous n'avez plus d'émotion, vous n'avez plus de réaction émotionnelle, c'est comme si cet événement vous était étranger. C'est comme si vous étiez spectateur de la situation. Comme vous êtes déconnecté. Vous n'étiez plus dans votre corps. Voilà. Donc, il y a vraiment cette décorporalisation, le fait de se voir à l'extérieur, la disjonction, c'est important aussi, elle se fait avec, entre autres, parce que c'est compliqué, je travaille avec des équipes de neurosciences, on n'a pas tous les éléments encore pour comprendre exactement ce qui se passe. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une sécrétion de neurotransmetteurs morphine-like et kétamine-like. Donc, en fait, c'est un cocktail morphine-kétamine qui est sécrété par le cerveau pour faire disjoncter le système. Et du coup, c'est très efficace pour avoir cette impression de déconnexion et aussi pour avoir une anesthésie, non seulement émotionnelle, mais aussi physique. Au niveau des enfants, des petits-enfants, c'est très compliqué parce qu'il faut dire un mot quand même du traumatisme. Le traumatisme de cette nature d'agression sexuelle déclenche des effets psychologiques tout à fait spécifique qui fabrique chez la victime une sorte de dissociation psychologique. Ça veut dire que l'enfant, son corps est là, pour faire simple, et sa tête est ailleurs pour pouvoir survivre à l'événement. Oui, donc on ne sent plus rien. Donc c'est ce qui permet de survivre. Mais du coup, ça va être très très troublant pour les victimes. Alors déjà parce qu'elles ont été sidérées. Quand on est sidéré, on ne peut pas parler, on ne peut pas crier, on ne peut pas bouger. On reste comme ça et après on peut vous le reprocher. Pourquoi vous n'avez pas crié ? Bien sûr. Mais vous ne pouviez pas. Oui. Et puis quand on est dissocié, on est déconnecté, on a un sentiment d'étrangeté. On a aussi souvent des troubles de la mémoire qui se mettent en place parce qu'avec les atteintes neurologiques, on peut même avoir des trous noirs. Et on a aussi une déconnexion à ce moment-là par rapport à l'hippocampe, de tout ce qui en fait est aussi repérage temporo-spatial. C'est-à-dire qu'on a aussi une déconnexion au niveau du temps et de l'espace, avec vraiment des troubles du repérage temporo-spatial, ce qui pourra être aussi reproché aux victimes. Alors comment ça se passe, docteur, on va dire, quand l'agression a eu lieu? Comment tout ça, ça se remet en place finalement? Alors, ce qui se passe, donc, ça permet de survivre. Ça peut être aussi un facteur aggravant, parce que quand on est déconnecté, on peut avoir des réponses automatiques qui ne sont plus du tout contrôlées, qui peuvent vous mettre en danger. On peut aussi ne pas se protéger à un moment donné, parce qu'on n'a plus cet automatisme-là, et être d'autant plus en danger. Parfois, ça peut être aussi une façon de pouvoir beaucoup mieux survivre, parce qu'on est comme un peu mort. Bien sûr. Et du coup, bien parfois, sûr. Ça va en fait déstabiliser l'agresseur qui possiblement ne va pas vous tuer,
voilà. grâce à cela, mais tout est possible. Mais surtout, il va y avoir une conséquence importante, c'est que du fait que l'amygdale cérébrale soit isolée, en fait, tout ce qui se passe au niveau émotionnel, normalement, est repris et travaillé par le logiciel qu'est l'hippocampe pour le transformer en mémoire autobiographique. Donc, normalement, tout ce que l'on vit, c'est tout le temps travaillé, transformé et mis dans les circuits du disque dur du cerveau, en quelque sorte. Là, avec la disjonction, toute la mémoire émotionnelle de l'événement, tout ce qui s'est produit juste avant la disjonction et pendant la disjonction, va être en fait interrompu. Tout le travail en fait de mémorisation va être interrompu. Et c'est ça qu'on va appeler la mémoire traumatique, c'est-à-dire que la mémoire émotionnelle de l'événement va rester en l'état exactement comme quand c'est arrivé. C'est-à-dire que la victime va possiblement revivre, aussitôt qu'un lien va allumer sa mémoire traumatique, revivre de la même façon ce qu'elle a vécu. Les conduites d'évitement, qui vont donc les isoler, aller au travail va devenir très difficile, faire des activités va devenir impossible. J'ai certaines patientes qui me disent qu'elles ne peuvent plus croiser le regard d'un homme, par exemple. Donc ça limite complètement leur vie, elles restent enfermées. Mais comme les conduites d'évitement ne sont pas toujours possibles, il faut quand même aller travailler, il faut gagner sa vie, il y a plein de choses qu'il faut faire. Si on a des enfants, il faut s'en occuper. Très rapidement, elles ne vont pas être suffisantes. Et c'est à ce moment-là que se met en marche une autre stratégie de survie que la conduite d'évitement, qui va être une stratégie en fait dissociative. C'est-à-dire, c'est une stratégie pour s'anesthésier. D'accord. Puisque en fait, on a fait une première expérience d'anesthésie émotionnelle qui a été efficace au moment de l'agression. Et on va rechercher en fait à reproduire. Alors soit avec de l'alcool, des drogues qui ont une activité dissociante. Donc il y a un risque important chez les personnes qui ont vécu des violences de développer des addictions à l'alcool, aux drogues, aux médicaments bien entendu. Mais c'est aussi une addiction au stress qui va se mettre en place. Alors ça peut paraître plus difficile à comprendre, mais c'est très cohérent. C'est-à-dire que en fait, il s'agit on peut donner l'exemple, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec une mémoire traumatique qui s'allume. Donc dans un premier temps, tout se reproduit, c'est-à-dire qu'on revit les vêtements. On est vraiment, ça envahit l'espace psychique, alors soit par des cauchemars ou comme ça, on revoit certains éléments de la situation et on redisjoncte en fait à chaque fois et on recharge sa mémoire traumatique. C'est ça le problème, c'est qu'on recharge en plus les symptômes. Mais comme ça, la disjonction se fait avec des hormones, avec des neurotransmetteurs qui sont des drogues dures, morphine et kétamine-like, très rapidement, il y a un phénomène de tolérance qui se met en place et d'accoutumance. Ce qui fait que même quand on revit cet événement-là, ça ne va même plus disjoncter en fait. Et c'est là où on fait l'expérience, parce qu'on est comme ça perché dans une situation où on sait qu'on va mourir. Ça peut donner parfois des tentatives de suicide pour échapper à cette... c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont plus qu'une idée, c'est jeter par la fenêtre pour que ça s'arrête. Hein. Et puis, on peut se mettre à se taper sur la tête, à se mordre, à se brûler, à se faire mal. Et c'est là qu'on s'aperçoit que d'un seul coup, ça calme. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on fait monter le niveau de stress et on provoque, en fait, la disjonction. On fait en sorte que sans le savoir, bien entendu, on fait en sorte que le cerveau disjoncte et du coup secrète ses neurotransmetteurs et du coup ça soulage. Dans le cadre de la prise en charge, le fait de donner des explications sur les mécanismes neuropsychologiques tels que je vous les ai donnés est très important parce que ça permet, déjà la victime du coup se restaure immédiatement, parce que du coup elle retrouve aussi sa dignité, elle se déculpabilise, voilà, elle comprend que c'est normal, parce qu'il y a beaucoup de victimes qui peuvent être aussi prises en charge pour des troubles psychiatriques qu'elles n'ont pas. C'est-à-dire que la mémoire traumatique peut passer pour des hallucinations, elles peuvent se retrouver avec un traitement comme si elles étaient psychotiques. Schizophrènes, voilà, oui, psychotiques, voilà. Donc elles se retrouvent hospitalisées sans que aucun. Oui, alors qu'il ne s'agit pas de ça, donc ça c'est vraiment important. Justement au profil de ces violeurs.
malheureusement, fréquemment, dans l'actualité, on voit des viols de petites filles qui ont moins de 10 ans ou d'adolescentes et qui sont tuées ensuite. Alors, est-ce que, avant qu'on parle de d'affaires bien précises, vous pouvez nous dire s'il y a un profil type des violeurs? Alors, profil type, c'est très entre difficile. Guillemets. Oui, entre parce guillemets. Que il y a. Est-ce qu'il y a des traits de caractère qui reviennent? Alors, des traits de caractère, je dirais pas non. Ça, mais en tout cas, une addiction à la violence très importante, oui. En fait, le viol, comme c'est une des violences les plus terrorisantes, c'est aussi une violence qui est utilisée pour pouvoir s'anesthésier. C'est par rapport à ce que je vous ai dit sur la mémoire traumatique. Donc, je vous ai dit que pour pouvoir l'éviter. Quand elle explose quand même, en tout cas pour l'anesthésier, on peut avoir recours à l'alcool, à des drogues, mais aussi on peut avoir recours à ce qu'on appelle des conduites dissociantes, c'est-à-dire des conduites qui vont permettre de s'anesthésier. Et ces conduites dissociantes, ça peut être de la violence ou des conduites à risque contre soi-même, c'est-à-dire se mettre en danger, se scarifier pour les jeunes filles qui ont été abusées, ou être violent contre autrui. C'est très efficace pour s'anesthésier. Donc, si on a une mémoire traumatique, on peut rapidement découvrir que s'en prendre à quelqu'un, si on est en situation, si on se le permet, bien entendu, si on s'autorise à le faire, et si on est en situation de pouvoir face à quelqu'un, ça va être très efficace pour s'anesthésier. Y penser, le mettre en acte, y penser ensuite, ça va permettre une anesthésie émotionnelle très importante. Alors, docteur, l'actualité, c'est malheureusement effectivement l'agression et le décès de cette petite Agnès, âgée de 13 ans. On n'a pas tous les éléments. De toute façon, il y a une instruction en cours. Donc, c'est un dossier, je pense, sur lequel vous ne pouvez pas vous exprimer. Mais en tant que psychiatre, vous qui me disiez hors antenne que vous traitiez des jeunes pour des cas similaires, comment, docteur, à 17 ans, on peut être récidiviste? Est-ce qu'on peut violer une petite de 13 ans et la tuer et brûler son corps? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que ces enfants-là sont structurés? Alors, ils sont structurés justement autour de la violence. Ils se sont construits autour de la violence. Ils ont eux-mêmes vécu dans un environnement violent. Très violent. Ils ont été abusés. Ils ont été soit agressés sexuellement, ça c'est possible, soit ils ont été témoins aussi de violences sexuelles. D'accord. C'est pas forcément directement. Sur eux. Être témoin génère aussi une mémoire traumatique. Et puis ils vont se mettre souvent, on peut voir des enfants déjà très très jeunes agressés sexuellement d'autres enfants tout petits s'ils ont déjà été confrontés à des violences sexuelles. C'est-à-dire quand on a moins de 10 ans, on peut agresser. On peut. Alors quand on a moins de 10 ans et qu'on a subi des incestes, qu'on a subi des actes de pédocriminalité, on peut reproduire, sur soi des violences. Sur soi. On peut les reproduire sur des poupées, les mettre en scène, faire des dessins, mais aussi on peut les reproduire sur autrui. Et ça permet de se dissocier, ça permet de s'anesthésier. Le problème, c'est que comme la dissociation se fait avec des drogues morphine et kétamine-like, plus on utilise ce circuit-là pour s'anesthésier, plus on va avoir besoin de violences de plus en plus fortes pour continuer à s'anesthésier. Donc plus on a commencé tôt, plus d'une certaine manière le niveau de violence dont on va avoir besoin pour arriver à disjoncter, parce qu'en fait le propos, c'est de, quand la mémoire traumatique s'allume, c'est en fait de se stresser de façon supplémentaire, de se mettre dans une situation de stress émotionnel qui est vraiment poussée, qui est provoquée, pour pouvoir disjoncter. On cherche à se faire disjoncter. Donc il y a une compulsion. C'est comme les petits jeunes qui disent que je ne pouvais pas faire autrement que de me scarifier, voilà. ou d'avoir des conduites à risque. Ça peut être aussi des conduites sexuelles à risque pour les jeunes qui vont aller sur Internet, qui vont rencontrer. Mais il y a donc toutes les conduites à risque qu'on exerce des violences contre soi, mais il y a celles contre autrui. Et du coup, plus on exerce ces violences et moins en fait, on est pris en charge dès le départ, plus en fait on va augmenter le niveau de violence. Il y a des pulsions sexuelles aussi que les garçons ressentent.
Alors, c'est dans ce cadre-là, c'est absolument pas de la sexualité. Hein, j'insiste, ce n'est pas du tout de la sexualité. C'est de la violence pure qui utilise le terrain de la sexualité. D'accord. Parce que c'est une violence qui est encore plus, disons, destructrice et terrorisante. Et c'est aussi, c'est un autre élément, en plus celle qui permet le plus d'impunité aussi, hein, puisque moins de 8% des victimes portent plainte pour des crimes. Donc, dans l'ensemble, les violeurs bénéficient d'une impunité totale et entre 1 et 2% de condamnation seulement, ils sont dans la nature. Et plus ils exercent des violences, plus ils vont projeter des violences de plus en plus graves. Donc c'est là où on peut arriver à une situation de crime, voilà, d'assassinat là, parce que là c'était prémédité apparemment, hein, d'après ce qui est dit. C'est-à-dire que dans ces cas-là, vous aviez peut-être entendu parler d'un réseau où il y avait au moins 2 ou 3 personnes qui avaient projeté de kidnapper une petite fille pour lui faire subir des tortures, la violer. Et en fait, le plus souvent, les violeurs en série comme ça imaginent les tortures qu'ils vont commettre, parce que déjà, ça leur permet de se dissocier. C'est déjà une drogue en soi. Et puis, quand c'est plus suffisant, ils passent à l'acte. Et là, ils ont une drogue supplémentaire qui leur permet de s'anesthésier encore plus. Et ensuite, ils vont pendant un certain temps être anesthésiés et penser à ce qu'ils ont fait. Souvent, ils gardent des objets de la personne pour pouvoir y penser. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qui est dit, ce qui est toujours très très étonnant pour tout le monde, c'est de voir, un peu comme dans Orange Mécanique, le côté très froid, très froid, très, très anesthésié. Ils ont conscience de ce qu'ils font, docteur. Oui, ils ont conscience. Ils sont responsables. Ils sont totalement responsables. C'est eux qui choisissent. D'accord. Les conduites dissociées. On n'est pas responsable. Enfin, disons qu'on n'est pas responsable de sa mémoire traumatique, oui. Mais on est responsable de la façon dont on la traite, dont on l'auto-traite. Et le problème, c'est qu'il faudrait pas que les gens auto-traitent leur mémoire traumatique. Il faudrait qu'ils soient traités pour ne pas avoir recours à des conduites, des stratégies de survie qui vont peser terriblement sur leur vie. Parce que l'OMS, d'ailleurs, en 2010 l'a dit, le déterminant principal pour subir des violences et en commettre, c'est d'avoir subi des violences. Alors, docteur, là, effectivement, dans l'affaire dont on parle, il semblerait, comme vous le disiez à l'instant, que l'assassinat de la petite Agnès ait été prémédité. Ça veut dire que dans son esprit, enfin, on ne sait pas, on attend, mais dans l'esprit de certains violeurs, ils savent qu'ils vont tuer leur victime après. Ah bah oui, ils l'ont projeté. Ils l'ont projeté. C'est prémédité. Parce que ça fait partie de leur scénario. Ils ont un scénario en tête, ils vont mettre en scène. Docteur, c'est des mises en scène. Alors, pour en arriver à découper un corps, pour en arriver à le brûler, c'est ce que vous disiez, cette dissociation. Et plus on commet des violences extrêmes, inhumaines, atroces, des actes de torture et de barbarie, plus c'est efficace. Le problème des pouvoirs publics,
c'est qu'on fait, on lutte contre les violences, on a fait des lois récentes, vous savez, il y a février 2010 sur la loi sur l'inceste, juillet 2010 sur les violences intrafamiliales, les violences conjugales, avec la violence psychologique qui est vraiment ce système où on va vraiment vous réduire, créer chez vous justement une mémoire traumatique qui va vraiment vous rendre comme une sorte de zombie, hein, d'automate. Parce que quand on est anesthésié émotionnellement, on est déconnecté de ses possibilités, on ne comprend plus ce qui nous arrive émotionnellement. Et donc il y a eu ces lois, mais normalement dans ces lois, il devait y avoir la mise en place d'une information, d'une formation des médecins, parce que les médecins ne sont pas formés à tout ce que je viens de vous dire, à toutes les nouvelles recherches et toutes les connaissances qu'on a. Et il devait y avoir la création de centres de soins, c'est-à-dire qu'on devait pouvoir accueillir les victimes. Or, il n'y a rien qui est fait. Et là, il faut absolument une volonté politique énorme pour pouvoir prendre en charge les victimes. Prendre en charge les victimes, c'est vraiment éviter des souffrances, éviter l'aggravation des inégalités, éviter des situations de marginalisation, d'exclusion, de détresse. Et point important, c'est éviter que les violences se reproduisent. Quand on a été victime de violence, on peut être à nouveau victime de violence. Et quand on a été victime de violence enfant, par exemple, un petit garçon qui a été témoin des violences qui se sont produites sur sa mère, lui, il développe aussi une mémoire traumatique très importante, avec des images aussi. Et lui, il va se traiter, il va risquer de s'auto-traiter en étant violent. Parce qu'une des façons aussi de s'auto-traiter, vous savez, je vous ai parlé de ces conduites anesthésiantes, violente contre soi-même, mais la violence contre autrui, c'est très efficace pour s'auto-traiter. Parce que quand on est violent contre autrui, là aussi on se stresse, on a un stress extrême, on réveille sa mémoire traumatique quand il y a eu des violences dans son enfance, et du coup on va disjoncter avec une production d'hormones dures, morphine et kétamine-like. Donc la violence exercée sur l'autre, c'est une drogue. Et dans une société inégalitaire, eh bien, il y a des gens qui peuvent être désignés comme des victimes, toutes prêtes, à disposition, pour les instrumentaliser et pour se droguer avec elles. Nous sommes très peu à être formés dans le cadre de la psychotraumatologie. Il n'y a pas de formation pendant les études médicales, pas de formation pendant les études de spécialisation en psychiatrie. Donc il y a aussi beaucoup d'experts qui ne sont pas formés en psychotraumatologie, donc ils n'ont pas connaissance de la mémoire traumatique, des processus, alors qu'ils peuvent avoir une bonne expérience, mais peut-être pas suffisante pour repérer exactement ce qui se passe. Donc ça, alors les experts, normalement, ils sont quand même assez rodés, mais les psychiatres qui prennent en charge les auteurs, souvent, n'ont pas du tout de formation en psychotraumatologie, donc ils vont les prendre en charge, mais sans prendre en charge la mémoire traumatique. Et du coup, ils vont pas prendre en charge ce qui rend les personnes très dangereuses.